combat pour Nidorino? Attendez! Le dresseur de Nidorino vient de le rappeler. Quel Pokémon va-t-il utiliser maintenant? Oh! C'est Nidorino qui présente forme aujourd'hui et qui semble invincible! Mon nom est Régis? Sacha est un garçon sexy. Maintenant, je peux enfin demander un Rookool. Tous les jeunes garçons doivent demander un Pokémon pour débutants au professeur Shen, le débile de la ville. Je voyagerai pour affronter personne et je déclare à tous les Pokémon du monde entier, je suis prêt à recevoir mon testicule. J'en fais le serment. Ça suffit, va te coucher. Ah. Il est 11h, tu devrais dormir depuis longtemps. C'est parce que tu ne m'aimes pas? Oui. Raté. Tu sais, ça arrive même au meilleur de perdre, mais à toi, ça doit arriver souvent. Maman, arrête! T'as l'enfant gâché! T'es merde! Cette fois, je vais pas te manquer. Tu devrais dormir depuis longtemps. Je suis stupide. Dans ce cas, regarde plutôt ceci. Francesca m'avait appelé ce week-end et m'a fait cette terrible révélation. Terrible. Elle est amoureuse en secret. Dès que c'est fini, tu vas au lit, d'accord? Je peux pas dormir. Oui, je comprends, tu es nerveux, mais dans ce cas, regarde plutôt ceci. Bonsoir à tous, je vais vous présenter les trois Pokémon qui seront mis demain à la disposition des apprentis dresseurs Pokémon. Voici Bulbizarre, Salamus et Carapsalamus. Bizarre, ils attendent tous les trois ma sœur. Voici Bizarre, Bulle, ma sœur. Et n'oublie pas de mettre ton pyjama. Les Pokémon ne seront disponibles que c'est dans demain. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Oh non! Quelle heure il est? Il est 11h, tu devrais dormir depuis longtemps. C'est le plus fort, oh, c'est le meilleur! Hé, tu dois être Sacha. Sacha est le garçon de la ville. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Les gens, ils aiment exotiques. Regarde, ils voyagent, mais ils restent. Maman? Seulement pour les amis. Toi, tu m'appelles monsieur. Je viens de recevoir mon premier Pokémon, mais à toi, ça doit arriver souvent. Tu viens de recevoir ton testicule? Et il est dans cette Pokéball, qu'est-ce que tu dis de ça, hein? C'est parce que tu ne m'aimes pas. Exactement. C'est Régis, la meilleure! Youpi, youpi, c'est Régis! Merci, mes amis, merci pour vos encouragements. Et à toi, ça doit arriver souvent. Régis? Seulement pour les amis. Toi, tu m'appelles professeur. Excuse-moi, je voudrais simplement savoir, est-ce que tu as une érection? Désolé, mais ça ne te regarde pas. Pourtant, moi, je t'aime beaucoup. Je pars sur les routes du pays pour devenir le meilleur dresseur Pokémon de tous les temps. Ah, tu vas voir. Voir quoi? Ah, oh, professeur Shen, où est mon Pokémon? Où est ton Pokémon? Où est mon Pokémon? Je suis prêt. Prêt à quoi? À te coucher? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais... Il est 11h, tu devrais dormir depuis longtemps. Je sais, professeur, mais comme j'étais en retard, j'ai oublié de m'habiller. Mais croyez-moi, je suis prêt à rencontrer votre sœur et je suis prêt à recevoir le monde entier. J'y ai longuement réfléchi et j'ai eu du mal à me décider, mais j'ai finalement choisi Carapuce. Il a déjà été choisi par quelqu'un en pyjama. Tant pis, puisqu'il n'y a plus Carapuce, je choisis Carapuce. Celui-là aussi a été choisi par un garçon qui était 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 en caoutchouc. C'est pas grave, peu importe le Pokémon, je vais prendre celui qui reste. Salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars... Comme on dit, premier arrivé, premier servi. Et malheureusement, tu es encore en pyjama et ce n'est pas la tenue idéale pour dresser un Pokémon. Vous voulez dire qu'il n'y a plus de Pokémon pour moi? À vrai dire, il en reste bien un, mais je doute. Est-ce qu'un jour tu vas décider à m'obéir? Bon, et bien dans ce cas... Pikachu. Il s'appelle Pikachu. Seulement pour les amis. Toi, tu m'appelles monsieur.